Dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, quoi de prévu? Toujours projet de fin de semaine à terminer. Voilà. Projet de fin de semaine à terminer. Et puis ce soir, muscu. Là, par contre, il n'y aura pas d'excuses. Muscu, toujours sans Antonin. Où est-ce que j'ai rangé ça? Ok. Comment ça marche déjà? Ok. Je crois que c'est deux coups sur la gauche et un en bas. Hop. Ok. C'est cool. Ça a l'air de bien marcher ça. Genre. Wouh! Énorme! C'est trop cool. Va falloir essayer d'utiliser un peu plus souvent. Ok, donc hop là, j'ai utilisé ma pause aujourd'hui pour faire un truc que j'avais pas envie de faire, comme on n'a jamais envie de le faire, de la paperasse. J'avais pris du retard et il fallait que j'aille déposer à la CPAM les papiers. Ça faisait un moment que je devais le faire et que je l'avais pas fait. Et je pense que si c'est bien un des trucs les plus difficiles pour moi à faire, c'est de se faire violence sur ce genre de choses, sur tout ce qui est procrastination. Il y a un très bon TED que je vais vous mettre dans la description de la vidéo qui parle d'un lien avec un singe. Et le singe, c'est un peu une sorte d'image de la procrastination qui vient te montrer « Hey, mais t'as vu, ça c'est plus cool à faire, c'est plus cool à faire. » Et je trouvais qu'avant, pour moi, là, j'ai toujours procrastiné parce que le plaisir que je ressentais à continuer à faire mes choses non importantes comparé à ce qui était important, pour moi, ce plaisir était assez satisfaisant. Alors que finalement, le fait de se faire violence pour faire les tâches plus ou moins barbantes qu'on doit faire, la satisfaction est quand même bien plus élevée pour ce genre de choses. Et c'est ça qui pousse à combattre la procrastination. Finalement, c'est comme quand on doit ranger chez soi, c'est toujours embêtant parce qu'on n'a pas envie de faire ça et qu'on va perdre 2 heures. Mais le plaisir après d'être dans un endroit propre et rangé sans avoir à se soucier de faire quoi que ce soit, ça c'est quand même extrêmement gratifiant. Et voilà, je mène. Semaine et journée terminée. Là, je vais voir des amis, je vais essayer de vous faire un petit time-lapse. Normalement, ils doivent me faire tester un Monopoly. Je crois qu'il marche avec une carte bleue, je l'ai jamais essayé celui-là. Et puis après, direction la salle de sport, histoire de bien saigner pour la fin de la semaine. Ok, donc en fait là, le Monopoly c'est un peu stylé, ça marche avec des cartes de crédit comme ça. Et donc moi je m'appelle Charles B. Darrow. Ça m'appelle Charles B. Darrow. Ah c'est un peu nul. Et en fait il y a une machine, genre y a avec un petit pavé numérique et tout, merci.
Voilà. Et donc a priori, genre à chaque fois qu'on passe à la caisse départ, on utilise ça. Enfin, tout se passe par ici. Comme ça évite que certains joueurs trichent. Parce qu'apparemment, des joueurs trichent au Monopoly. Et voilà, donc ben, je vais tester ça. Et puis sinon, le plateau, c'est quoi? C'est l'Europe? La Bourse, la Défense, la Sorbonne? Non, c'est Paris. Paris, ouais. Par contre, c'est méga stylé. Il brille. Il est un peu cool. Mais attends, ce que je comprends pas, c'est comment tu fais pour payer? Mais Bah, tu attends. dois passer ta carte genre comme une American Ouais. Express, non? Donc ouais, genre il y a un système Y a pas moyen d'échange. de tricher. Il y a un système d'échange où bah, donc Sinon, là quand il ici, faut t'as un payer, c'est euro ici, et avant. quand Mais attends. quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un, l'autre met sa Et carte les autres là. joueurs, ils C'est marrant, ils ont le droit de faire ça, c'est un partenariat alors avec Visa finalement. C'est peut-être dans un lobbying capitaliste pour habituer les jeunes à dépenser de l'argent. Si vous décidez de ne pas acheter une propriété sur Elle part laquelle en vous enchère vivez. directement, oui. T'es obligé d'acheter une propriété, les gens ne savent pas ça en général. Et genre le double 6 qui récupère le truc du milieu, non, c'est des conneries. C'est que le parc gratuit en général où tu récupères l'argent qui est au milieu. Et encore, je crois que c'est une Ça règle. aussi, c'est un truc inventé, C'est un hein. truc inventé, je crois, parce que les amendes, en théorie, tu vois, ça se paye au milieu. Oui, Fallait pas l'acheter. quand on tombe sur une case, si on décide, bah, je l'achète pas, ça part aux enchères. Mais c'est un peu débile parce que est-ce que tu as le droit de participer à ces enchères-là? Bien sûr que oui. Donc ça veut dire, bah, je le prends pas. Donc là, ça part aux enchères. Donc tu vois, genre là, la Sorbonne, ça Ah vaut ouais, le prix de base, 2,8 c'est millions d'euros. pas. D'accord. Donc, et le prix de départ, il est quoi? Il est arbitraire aussi. C'est genre 1 euro. Départ, en fait, c'est au plus offrant, donc. T'imagines, genre, tu dis, bah non, je le veux pas, bim, mais je commence à 1 euro. Ah mais du coup, les autres, ils vont cher. Ouais, mais dans tous les cas, t'as moyen de C'est l'avoir à pas. moins cher, tu vois. C'est écrit. C'est pas écrit, genre tu pars du prix qui est Le banquier indiqué doit immédiatement ouvrir une vente aux enchères en commençant à n'importe quel prix fixé par un joueur désireux d'acheter. et. Ouais. Donc 1 euro, ça part. Bah j'avoue, t'as rien à faire ton rat. Tu vois, c'est fou en fait ce délire-là. Ouais, mais après, tu risques de perdre aussi. Oui, Si tu on peut mets trop aussi le perdre. cher. Ouais, on peut aussi le Putain, mais perdre. l'Olympia, quoi. Ouais, c'est un peu stylé. Le truc le plus cher, c'est la Tour Eiffel. Normalement, c'est Avenue de la Paix, je crois, dans le truc classique. Eh ben, on part sur une énorme victoire, 30 millions d'euros. J'ai réussi à plumer les deux autres qui m'ont invité gracieusement à venir manger. Bon, en fait, ils savent bien accueillir les autres, quoi. Finalement, ah, ils nous Non. dépouillent en plus. Non, donc voilà. Donc moi, finalement, je me retrouve avec deux hôtels et puis des millions d'appartements. Et en fait, bah, bizarrement, on tombe très souvent ici et là, pendant la partie. Donc c'est un peu des valeurs sûres. Donc c'est un super Monopoly, donc bah, par contre il est méga tard, genre je suis arrivé, il était 18h30, il est 21h30. Donc bah, c'est trop tard pour la salle. Donc ça fait 2 jours sans sport, mais bon c'est pas bien grave. Et voilà, c'était une fin de soirée pour moi. Maintenant place au montage. J'espère que le vlog vous aura plu et qu'il aurait été un peu plus long que celui d'hier surtout.